entrée, Raphaël Sana, 23 réalisations. Est-ce que son entrée va faire la différence? Regardez directement la frappe, le premier. Ah, bien joué ça, bien joué Kevin Ramirez. Ouais, quelle belle action là-bas. Quelle belle action que vient conclure Kevin Ramirez. Conrado Sampaio, c'est à côté. C'est à côté. Et Mouvolil qui respire un peu plus à 1 minute 46 de la fin. Ah là là. Ouais, c'est bien joué, ce qu'il avait bien joué cette action. Ah, oh, quel arrêt. Quel arrêt de Mancilovic. Parce que là, il y avait une superbe action initiée là-bas par Conrado Sampaio alors qu'on était parti derrière avec Fumaça. Abdelal Belaoui là-bas qui va trouver Nandinho. Nicolas Benendez, il arrive à se retourner. Ouais, il a réussi à se retourner. Mais le très bel arrêt là-bas de Mancilovic. C'était un scénario qui aurait pu se répéter là-bas. Oh, j'allais dire. Avec notamment pas mal de belles actions. Attention, Varela, s'il arrive à conclure, c'est pas terminé parce qu'au deuxième poteau là-bas, au deuxième poteau, il y a Guena qui vient accentuer. Eh bien, la marque pour Mouvolil est désormais le club de Mouvolil qui prend l'avantage encore plus. Attention, c'est pas terminé là-bas, elle n'est pas sortie cette balle. Eduardo qui va pouvoir trouver Varela. Qui va pouvoir trouver Varela pour le 3-0 désormais. Et récupéré par les joueurs de Mouvolil, ça va en terminer ainsi, à moins que, oh, alors est-ce qu'il va être comptabilisé? Ah, est-ce qu'il va être comptabilisé ou pas? En tout cas, c'est un contre son camp de Béthune. Victoire de Mouvolil, victoire à domicile pour, eh bien, les hommes de Najim Ferraoun, les hommes d'Aldo Kaniti qui s'inclinent donc dans cette rencontre.